Si on est surpris, on est surpris, quoi. Hein, c'est très bien. Ouais, enfin, c'est une question, hein. Non, non. Hein? Oui, c'est que j'ai oublié, mais bon, c'est pas ça. Si t'étais. Tu voulais voir, chef. Tout à l'heure, tout. Ouais. On les regarde pour eux. Militaire! Scouta! Chanson! In ferre! Scouta l'axa! In uno ordinem! In ferre ad sinistram! Ad sinistram! Une arme contre vous. Là, il s'est bloqué, donc il est prêt à aller au combat. Un soldat romain ne se bat jamais seul. Là, ils sont un contre un. Vous pouvez imaginer, évidemment, que vous avez tout mis. Donc, il y a un homme à gauche qui protège, un homme à droite qui protège. Oui, pareil. Monsieur, allez-y. C'est dommage qu'on puisse pas leur faire au ralenti. Et il est passé par derrière. C'est-à-dire qu'il a tapé de son gène, il a laissé son gène au niveau du dos. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, que les soldats romains, c'est pas le cas de beaucoup de Celtes, surtout pas le cas de beaucoup de Germains, il est protégé par une côte de maille. Les Germains n'étaient pas forcément, donc il pouvait les blesser comme ça. Mais il est passé par-dessus. Maintenant, il y a un autre coup aussi qui consiste à passer par en dessous. Bon, ouais. Là, vous avez le droit de partir par en dessous. Okay, ouais, je vais ah, la position est pas mal. Ah, ah. Ouais. Il a tranché. Ah, vraiment, là, effectivement, il va monter le tir de vous. Généralement, à ce niveau-là, il commence à baisser sa garde, il commence à. Ça gêne, il faut la jouer. Ça gêne. Allez. Par au-dessus maintenant. Voilà. Voilà. Là, il est mort. Là, il est mort. Ils ne peuvent pas tourner l'un autour de l'autre. Encore un, ils vont relativement.
Ah, c'est hâte!